Non, il me faudra probablement pas tout ce temps-là pour dire que ce débat aura été utile et que finalement le fait que certains de nos collègues aient déposé des amendements par rapport au vote très unanime l'a autorisé. Vous avez bien compris, monsieur le commissaire, qu'il y a deux soucis dans cette affaire. Vous avez répondu en partie au premier souci exprimé, qui est le maintien de la stabilité relative. Ce sont l'objet de ces amendements 20 à 24 déposés par nos collègues. Le deuxième souci, il est celui de Madame de Catherine Styler, que, à l'occasion de cette révision du règlement, il puisse y avoir une exploitation non raisonnable des ressources halieutiques, et en particulier des ressources halieutiques des pays tiers. Certains de mes collègues ici s'en sont fait l'état, et c'est la raison pour laquelle ils avaient signé. Je crois pouvoir dire à cet égard que rien dans le texte du rapport qui sera voté demain ne peut donner cette inquiétude, mais il appartiendra à nos collègues demain d'en décider, puisque, Madame le Président, vous allez annoncer, je pense, que ce rapport sera voté demain. Merci de votre attention.